Bonsoir, donc 23e épisode sur FF4. 16. Alors oui, j'ai fait la quête Bleu Plus et j'ai fait les autres sous-quêtes. Et j'ai aussi découvert quelque chose d'absolument god-tier que je montrerai dès que je peux. Alors la sous-quête Plus, elle a débloqué quelque chose de franchement pas mal. Enfin, de qui est pas mal en fait. C'est une upgrade de toutes les potions. Par contre, on voit que ça, le pourcentage, on voit que maintenant il y a le up de pourcentage. Voilà. Mais où il y a le plus gros boost, c'est sur ces trucs que j'utilise jamais. Donc il y a une augmentation de la défense. C'est marrant parce qu'avant ça disait pas le pourcentage. Et avant c'était que 30 secondes, mais là c'est passé à 99 et 66 secondes. Je vais juste aller restock mes potions. Je passerai juste là pour voir ce qu'il y a. Juste aller restock mes potions, je vois qu'ils ont du nouvel inventaire, donc je vois ce que c'est. Donc juste ici, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il n'y a pas un truc qui est apparu en plus parce que je vois qu'il y a... Non mais je pense que c'est juste... Ok, ouais, là c'est bébé, ouais, ok. Alors ouais, je restock. Je pensais que ça aurait été plus de potions. Bon, l'histoire était vraiment pas terrible hein, pour débloquer les potions en plus. Qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre? Ah oui, j'ai fait une sous-quête, il y a eu un choix de choisir entre un tissu rouge, noir et blanc. Je sais pas ce que ça va changer. J'ai pris le blanc. Je sais pas. Du coup, je vais juste passer là. Voilà, les sous-quêtes plus, j'espère vraiment qu'on tombera sur d'aussi bonnes qu'on pouvait tomber dans 14. Des trucs qui vont me foutre des putains de claques. Bon, je pense d'avoir des nouveaux élites. Ils sont apparus. Mais ça, je les ferai sûrement hors vidéo. Donc il y a ça. Et il y a... Il y a ça. Mais comme. Attends. Pourtant, j'ai rien fait. Partition. Attends. Orchestrion. Et par contre, j'espère que l'orchestrion, il y aura des musiques des autres FF dedans. Surtout le 14. Ok. Chronique Viviane. Bon, ça, je vais pas le voir maintenant parce que ça débloque pas. C'est vraiment le genre de truc que je veux voir off vidéo. Ah merde, j'aurais dû sauvegarder au début de l'épisode. Ah, bon, au pire, il sauvegarde de toi, je pense. You need to start taking better care of yourself. Understood. And thank you. La caméra, elle était mal placée, là. The curse has spread. Make sure she rests. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Oh, please, pas de romance à la con. Clive, where are you? In here. Style mec qui est rentré. What's wrong? Rosaria's under attack. What? This isn't the Dalmechian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Koopka's private guard.
There is in hell in Rosalith. Trying to batter down the castle gates. Looking for me? Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Cid really is. Then this is just another trap. It's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Cid, but as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Beside which, I am not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. I've lost enough friends to that man already. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. After all, we're in this together. All right. Bon, allez, retour. Ah putain, ouais, franchement, là, cette zone, j'aurais bien aimé plus de raccourcis ou des. Putain, ou une façon de voyage rapide, hein, parce que. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les NPC sont quand même pas mal éloignés entre. Même si la zone n'est pas si grande que ça en fait, c'est surtout la minimap qui est fausse. Je peux savoir pourquoi. What? Ok, elle ça va encore, elle balaye son carré. En fait, je croyais qu'elle balaye dans le vide. Enfin, dans l'air. Gov gave you the news then. We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Delmex to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you set on going, you'll want to talk to her. Understood. Ok, Viviane. Retour. Ah bah, juste à côté, génial. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now, where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We're going to Rosalith to deal with Kupka. Oh, mignon! What's the situation there? Whoa there, Lord Rosfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. Eh? But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The selfsame army that marches upon Rosarian soil as we speak.
By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmechia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's Breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde, then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dalmechian fleet floated by without incident. But not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas. It will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Bewit Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dalmechian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way, and so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. Yeah. Oh. On va se taper Titan, là. Rosalith. Je crois que je viens de restack mes potions. Merde, je sais pas ce qui s'est passé là avec mon... J'ai renouvelé le micro. En deux, oui. Bon, s'il y a plus de son sur toute la vidéo, c'est juste qu'il y a une couille. C'est de mon micro, hein, je veux dire. Je pourrais pas recommencer pour ça. Je dois un épisode. Dès que la scène est finie, je vais juste aller fermer la fenêtre. T'es pas un peu con, Gaius? But it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town. Oui, t'es un peu con. Almost like they want to wipe it off the map. Ok, j'ai refermé après, s'ils vont encore retourner à la fenêtre. All this for one man. Oh putain, j'ai le choix qui hein. They didn't have to go so far. Ok, en train de jouer avec sa balle. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. Jouer avec lui quand je finis cet épisode. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on the way. Be careful. Oui. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Ouais, je vais aller fermer la fenêtre, en fait, pour un moment. Je t'attends que ça ait fini cette scène. Ok. Je ferme la fenêtre, ami. Je le ferme.
merde, c'était pas fini. Ah, vu qu'il y a la transition, je pense pas que j'ai loupé grand chose. Bah, je pense que c'était juste en garde qui a buté quelqu'un et puis c'est tout. Vu la scène. I thought I was ready for this. Ouais, je pense que c'était ça. I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Tiens, j'ai le chat qui commence à. Hey! Ok. Oui, je suis en pleine capitale. Hey, il est joli le sol. Oh. Donjon. Par contre, avec le chat, c'est pas facile. Si c'est pas possible, je mettrai la cam de 2 minutes dessus, histoire. Putain, le western a l'air énorme. This isn't an invasion. It's a massacre. Putain, je peux pas avec le chat là. Ok, cet épisode, je le sens bien. Aïe. Why do this? Clive, we can get through here. Mais le chat là, c'est pas possible, bordel. Deux secondes. Tiens! Ah putain, il commence à faire le taré maintenant. Il n'y avait pas moyen de savoir quand il va comme merde. De savoir quand il va faire le taré en fait. Je m'entends parce que c'est pas ultra violent, ça va. Parce que des fois, c'est il zoom comme un malade. Action spéciale, certains ennemis utilisent des sorts de renforcement bouclier qui permettent d'envelopper un pour des ennemis, mais si c'est vrai, ok, c'est pas l'icône, ok. Ces ennemis peuvent pas subir d'attaque quand ils essaient d'avoir le besoin. Ok, les attaques magiques sont. Ok. There's only one fitting for punishment. Oh, je dis que je puisse launcher avec le dogo aussi. Ok. C'est toi là. Mais je crois où il est. Oups. Ah oui, mais c'est pas trop ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. C'est lui, je peux launcher avec le dogo. Faut que j'essaie d'exploiter un peu ça. Vas-y, fais ta magie, madame. Attends, est-ce que ça marche? Bon, je le sais pas, je crois que l'autre, elle a lancé un truc. Ouais, je sais que le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix. Mais le son du jeu est plus important que les conneries que je dise. Dis. Hey! Arrête! Non!
Non. Oh putain, il reprend avec le... Il va essayer de retirer le câble de sa fontaine. Oh. Putain, c'était stylé ce pari, bordel. J'ai pas fait exprès par contre. Par contre, faut juste que je vais lui mettre des croquettes. Ah. Pardon, attends, là je suis un peu perdu. Là-bas. Ok, en fait non, j'étais pas perdu. Ah, par contre, il avance tout seul hein, dès que le truc, le passage se débloque. Oh. Ça va la tête? Hey! Putain! Ah, par contre. Ah, mais ça doit être lui qui bouclier. Mais t'es pas bien de la tête, hein! Ah, il est un peu bizarre là. Dès que j'ai repris l'épisode, quelques minutes après, il. Oh merde! C'est vrai que j'ai pas exploité assez de chiens en combo. Ok ouais, par contre les boucliers se pètent immédiatement avec la magie. Mais il est pas bien ce chat. Mais eh, hey, t'es pas bien. Eh hey. Tu te calmes, Minou. Tu te calmes. Hein? Mais! Ok, je vais juste attendre. Je shoot la cam dessus. Parce que tant qu'il se calme, de toute façon, je vais foutre la cam, mais il va rien faire. Ah, attends. Il va rien faire, mais il a couru comme un débile. Là, il est. Il est juste là. Ok. Il est juste là. Il est juste là derrière. Puis des fois, il se met à courir n'importe comment. Voilà, là, il est là. Puis là, il revient. Putain, regarde-moi, il s'est chié la gueule à moitié. Dans son espèce de tunnel. Attends qu'il se calme un peu, parce que là je peux pas jouer comme ça, quoi. Je peux pas, c'est pas possible. En général, ça dure 2-3 minutes.
Oui, t'es taré, hein. Et il est là-bas derrière. Bah, il revient. J'ai pas un machin lui lancer. Ah. Bien sûr, tous ses jouets, il les a détruits. J'ai pas reçu ce que j'ai commandé. Enfin, il a détruit. Il y a sa balle qui est juste là en bas à droite. Ah, attends. Si je lance une croquette, au pire, ça devrait le faire. Ah, j'ai pas lancé assez loin. Bon, tu te calmes un peu, hein, je pourrais continuer. Couché. Attends, je vais essayer un truc. Voir si ça marche quand elle est excitée. Ah. Viens là. Viens ici. Viens ici. Allez. Il s'en fout ce coin. Viens ici. Bon, peut-être ça marche pas parce que c'est pas des friandises. Viens ici. Tu viens? Allez. Bon, merde. Viens. Ah, mais viens pas, ce con. Regarde ma main comme un abruti. Il est où? Bon, tiens. Bon, je crois qu'il s'est calmé un peu, je peux reprendre. Parce que j'ai appris à ce con à s'asseoir. Il obéit. Et il obéit vraiment quand je dis assis. Mais sauf qu'il faut que j'aie un truc à bouger. Attends, je vais essayer. Je vais essayer. Bon, là, ça va pas marcher à tous les coups. Binou, parce qu'il m'écoute pas, là. Hey, assis? Bon, là, je pense qu'il s'est plutôt assis par lui-même. Je pense pas que c'était moi. Bah écoutez, on va reprendre. Parce qu'il a fait sa crise et je pouvais pas me concentrer là quand il faisait sa crise. Mais ouais, j'ai vraiment appris à s'asseoir, hein. C'est pas. Ça marche quasiment tout le temps à part quand il m'écoute pas. Enfin, quand il est excité, quoi. Mais en général, j'ai une friandise. Il dit assis, il s'assied. Le pire, c'est qu'il n'est pas motivé par la bouffe. C'est un peu chiant d'ailleurs, ça. Moi aussi, que j'arrive à faire des juggles quand l'ennemi est en l'air. Et en l'air, quoi. Pas quand moi je suis en l'air avec l'ennemi. C'était quoi ça? Non, mais tu scrolls, ce connard. Tu voulais te mettre là, vas-y. Vas-y. Non, tu montes. Non, 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 non. Descends de là. Allez, descends. Il y a plein de bordel et t'es pas vraiment plus haut, hein. Allez. Ah. Pas ce que je voulais faire. Ah oui, la sphère aussi quand t'es l'ennemi est down. Donc tu places à côté et tu fais des dégâts aussi avec. Tiens, qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent. Ou si c'était sur un ennemi que j'avais fait. Dans un soukage, je sais plus. Par contre, lui, il est un peu chiant. Thank you.
Par contre, le chien, j'aurais bien aimé qu'il soit sur L2. Ouais, quoique non, le dépad, ça va. J'ai l'habitude d'utiliser le dépad comme ça. Ok. Mais là, elle se stun. Comment je me suis téléporté comme ça directement vers lui? Hein? J'ai pas compris. La belle paix. Level up. Ok, je pense qu'il y aura pire de scène à la fin de l'épisode, donc je le ferai très certainement plus court celui-là, beaucoup plus court avec le chat aussi. Et ouais, je vais les jouer un peu avec lui aussi. Histoire de... Le problème c'est que j'ai quasiment plus rien. Je trouverai bien un truc. Histoire qu'il se calme un peu. Bon, le taré il a déjà fait aujourd'hui, c'est ça le pire. Là c'était pas très long. Et là je me suis encore planté sur la cul et au bout de la porte, putain. Merde. C'est moi ou c'est joli, mais faut pas rester dedans. Ah, c'est vrai que j'utilise pas assez le chien en fait. C'est un peu chiant aussi. Référence évidemment au film avec les caravanes. Mais t'es quand même pas retourné là-dessous. Ah non. Putain. Putain, des fois il est juste derrière moi, mais je crois qu'il a disparu. C'est genre qu'il s'est planqué en nouveau. Stéphane va sous le pieu, mais il a aucune place. Voilà, couché. Bon, en même temps que la chaleur. Ah putain, j'ai failli louper le coffre. Ah, tenacité de... Équipement. Ah, mais je vais juste rééquiper cet accessoire à la place de celui qui réduit. Hein. Augmente le pourcentage potentiel de réduction de jauge de volonté de la compétence de Ramu de Trionaro. Oh putain, la jauge de volonté, c'est la jauge de... C'est la jauge de cassage en fait. Ok, je suis con moi. Je suis con, c'est la jauge de volonté, c'est la jauge qui peut se casser. Je suis vraiment très très con. Carrément. Ok, c'était pas très beau au niveau de la caméra, mais c'était beau quand même ce qui s'est passé sur l'ennemi. Merde. Ah, il a quand même résisté. Merde. Ah putain, il a un bouclier. Ça a pas ciblé ce que je voulais. Ah, c'est lui là qui casse les boucliers. Mais ah. Bon, il emmerde. Mais loule. Ah non, c'était la sphère. Je me disais, attends, c'est le coup de pied que j'allais foutre au mec au sol qui a cassé le bouclier. Non, c'était la sphère juste à côté. Yo. Set her loose. They have a curl.
Bon, ce qui va paralyser. Attack! Ready? What do you think? Bon, déjà il fait de la foudre. Ok, c'est pas que derrière ça contre lui. Merde, putain, j'étais pas sur Ramu, c'est con. Je voulais faire ça. Merde, je voulais tenter un truc, mais ça marche pas. Puisque ça, je pouvais pas parce que j'avais pas la charge. Ouais, je l'ai fait un peu trop éloigné, je suis d'accord. Ok, dépêche check. Ah, ça me gratte le, la tête. Il est vraiment cool le fight. Avec la sphère là, il prend tellement cher. Ouais, 30k. Il sort vite cette attaque. Ah, il était cool ce fight, bordel. Pour le moment, c'était l'un de mes boss favoris. Putain, c'était cool. Jill. Sandwich. We meet at last, Sid. Or should I say, Lord Rosfield, I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kupka.
I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard! Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. To the festivities. Pourquoi ça a pris en screen? Ah oui, d'accord, j'ai rien dit. I suppose it's up to me then. Je m'attendais pas à ce qu'il soit arrêté par contre. Vraiment pas. Je vais quand même pas jouer l'autre mec. Ah non, tu me files pas une mission infiltration, on joue avec l'autre type. Non, ça m'étonnerait. She deserves for getting into bed with an outlaw. Wish she'd get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Gav! Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle, but the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Nearly forgot. Hold on, Jill. I'm coming. Eh, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, le chat m'a pas mal interrompu. Mais je pense qu'on va arrêter là l'épisode. On a bien avancé. Moi, je vais me faire une pause café. Je vais jouer 100 minutes avec lui. Ah, quoique dans les complètement rap là. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je pense qu'il y aura une bonne série de scènes. Et bonne soirée.